Dès qu'il me fait une branlette espagnole, là. Ah, écoute-moi bien, Thierry, t'as vu, tu veux pas que je vienne te baisser ta mère chez toi, tu vas pas aller mieux. Te baise en levrette. Ok. T'as un mec chaud, toi. Vas-y, je te laisse parler, après je parlerai. Ah, je suis en train de me taper une bonne queue, là. Il a un souci avec la mère. Hein. Ah. Oh, lui, on va lui retrouver son adresse. Juste un gars. Je vais bouffer les doigts de pied, je vais bouffer tout, je vais bouffer la bouche, je vais bouffer les cheveux, je vais bouffer tout, je m'occupe de toi et après tu t'occupes de moi. Et je vais balancer du tout. T'avales ou tu t'aimes pas trop, t'avales un peu mais tu craches le reste dans l'évier. Non, moi j'avale tout dans le gosier. Bonne cochonne, bonne salope, pour ça que je t'adore. J'adore les chiennes, moi. On y va ! Suivez le bistop de Riri. Ah oui, toi Nazim, tu joues à la foutre de Nazim. Nazim, c'est un putain de banlieue de... Un putain de beau... Putain de beau... Dégage, viens-moi cette merde. Viens-moi. Ta gueule. Puis je me mets un doigt dans l'anus. Ça me fait du bien. Quand je me mets un doigt dans le cul pour me gratter, parce que ça me gratte. Eh ben, je fais ce que je veux. Viens-moi un ailleurs, s'il te plaît, Magali. Rien sans y aller. Mais pourquoi t'as bloqué Léa? C'est pas elle que je te demandais. C'est pas elle. Pourquoi t'as bloqué Anaïs là? Pourquoi t'as bloqué Anaïs, merde? Léa. Ah bah là, maintenant je peux plus la débloquer, Léa. Ouais, il a pas envie, je... Faire l'autre qui se trace devant mon viseur. Mon viseur est pas adapté. Mais toi, quitte mon chien. T'avais dit. Tu vois, si tu utiliserais pas un point en ce moment. Il vient d'y rentrer dedans. Juste ça. Et aussi, t'as l'air d'avoir un peu peur de tirer. Et pas peur de tirer. Vous va arrêter, vous savez pas ce que c'est. Et petit harcèlement. Ferme ta race. Et petite question. Il a même pas de skin. Non, t'as pas de skin. Mais en fait, il a pas de skin en fait, ce sale pauvre. C'est Draco. Arrêtez de me harceler, s'il vous plaît. Eh, Draco, arrête de pleurer là, c'est bon, Michael. T'en as acheté dans les toilettes. Ouais, il contacte. C'est une SMG, hein. Ah, bien joué. Yes! T'es fort, bien joué, bien joué. Sale pute! Alors, c'est qui le meilleur troller? C'est moi le meilleur troller! Bah non, parce que ça, c'est nul en fait, c'est moi juste qui. C'est moi le meilleur troller, mec! Allez, ferme ta gueule! T'aurais voulu faire mon troll, t'aurais continué ton jeu jusqu'à la fin. Ferme ta gueule, je t'ai eu, mec! Allez, let's go! C'est qui le meilleur? Tu l'as même dit, bien joué! Let's go! Et tout ça en live en plus! Envoie-moi ton adresse quand même en privé, s'il te plaît, mec. Je t'ai dit, je vais pas répéter. Maintenant, donne-moi ton adresse non, en privé. Non, 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 arrête de faire ta pute. Ah, voilà, t'as pas de couille. Arrête de faire les mecs, y'a jamais personne couille. Qui va donner son adresse comme ça. Tu vois ah, voilà. Moi que moi, oui. Mais même, c'est trop bien, même moi, j'ai fait de la boxe pendant 7 ans. Mais mec, je mesure 1m85, je fais 75 kg, tu vas faire quoi? Si tu veux, mais donne-moi ton adresse dans ce cas-là si tu fais 1m85. Alors, donne-moi ton nom et prénom, t'inquiète pas, je te retrouve. Ouais. Oh, t'es une skin, t'es rien, t'es là pour troll, qu'est-ce que tu veux mon nom prénom, tu vas faire quoi avec? Tu vas pleurer. Oh putain, des gars comme toi, gros. Mais gars, tu t'en train de te ridiculiser dans la vidéo YouTube, elle va sortir, t'auras la honte. Pourquoi tu lui donnes exactement ce qu'il veut? Juste tais-toi. Voilà, juste ferme ta gueule. Le seul moyen de gagner contre le troller, c'est de ne plus lui donner ce qu'il veut. Exactement, t'as dit mon nom. C'est bon. Voilà, il a un bon toutou, voilà, t'es combien le Québécois, voilà, ferme ta gueule. Mais en tout cas, merci de m'avoir accueilli. Je pensais que t'allais pas me faire monter et je suis ravi de discuter avec vous. T'es très jolie, je tiens à te le dire. Merci, c'est gentil. Je sais que t'as pris tes marques avant moi. Je vais pas non plus aller sur ton terrain, je te la laisse. Je suis gentleman. Non, en tout cas, regarde-toi, elle est très rare. Non, moi je suis à personne. Non, parce que je me suis dit, bon, il est à l'aise, il est dans son lit, peut-être il a le chibre en main et il se fait plaisir sur elle. Je me suis dit ça, tu vois. Non, bah, non, parce non, que non, ça non, porte à confusion, il y en a beaucoup, hein. tu te rends pas compte. Oui. Ouais, il y a beaucoup d'obsédés, ouais. Dès que tu vois un mec allongé comme ça, fais attention, Sugar, c'est potentiellement un branleur. Voilà. D'accord, fais voir tes deux mains, Philippe. Bah oui, bah, je te dis, bah, c'est pas là, mais l'autre main, c'est le téléphone. Donc si j'enlève l'autre main, le téléphone, il tombe. Comme ça, bah, moi, en tout cas, moi, je me régale depuis tout à l'heure, moi. Eh, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais ce que j'ai à faire depuis tout à l'heure. Guillaume, c'est toi qui fais peur, là. Attends deux secondes. Non, j'attends que dalle.
L'autre, il m'a comparé avec sa transsexuelle, mon frère. L'autre, t'es mal au truc, mon poteau, quoi, parce qu'elle a une chevelure. Ça y est, ta grosse pute de française, elle est bonne. Et ça y est, ça, tu kiffes les putes, toi. T'aimes bien les grosses putes. Les youtubeurs, ils aiment bien les grosses putes d'actualité. Celles qui font la grosse pute pour le buzz et qui s'assument d'être une grosse pute, telle mère, telle fille. Tu vois le truc ou pas? Fais comme moi, je t'ai pris devant tes frères, devant tes soeurs, je t'ai cagouté. Je t'ai mis en deux minutes en miette. Espèce de pédé de ta mère, toi, c'est Papa Lopez, ça le fait. Moi, je t'ai donné rendez-vous, je t'ai appelé pour qu'on se batte tous les deux. Je te parle, espèce de. Il a voulu que je vienne chez toi et quand je suis chez toi, il y avait 50 de tes frères. Écoute-moi, Rigou, en vérité, c'est des gens qui ont fait ça marche pas en fait. Toi, t'es vraiment un petit enculé en fait, tu vois le truc ou pas? Mais t'es mal le truc et tout, mais t'as raison. La vie de ma mère, t'es mal le truc. Ah, il a une tête de. Allez, bâtard, tête de pouce. Attends, je vais recommencer à mon avis, j'étais qui? Je me sens les fiches. Hey mon ami, t'aimes seulement jouer des pétards? Ah ouais, on dit, il a des airs de Julien Mitte, ouais. J'aimerais tellement troll avec ce personnage. Non, si mon perso Ramucho, il devait avoir un visage, bah, c'est celui-là un peu, non? Sans vouloir bien sûr vanner ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il... Oui, il ferait un perso de fou, de malade. Numéro 4, barre-toi. Ah, c'est pas vrai. Viens avec moi, on se casse. Ouais, allez. Voilà, ouais. C'est barré, allez, c'est barré, allez. Ah, c'est pas ça, c'est dégueulasse. Et voilà. Plus besoin d'administrateur pour chasser, il y a qu'à retirer ses dents. J'ai pas besoin de montrer ma queue, moi, je mets mes dents. So you see who kicks you, right? No, I really don't look, I swear, I'm not lying. Oh, no, I don't know. Hello. I got that. Yeah, how are you doing, guys? Everyone. Yeah, I'm from New Jersey. Camera, number 10 is leaving in Jersey. Hey, number 8. What the hell? Hey, number 8. You wanna be the matchmaker? I think you're good at matchmaking. Même le président, même une ministre, elle se met un doigt dans, elle se met gratte le cul, hein. Elle met pas son doigt dans la bouche après, elle suce pas son caca. C'est fantasme. Si moi ça me dérange pas, mais si bien sûr j'ai un paquet de merde, je vais me suivre avant. Mais si j'ai un petit peu une déchouille, que j'ai la foutre de mettre ça dans ma bouche. Je m'en fous que tu le fais, Régis, mais faut assumer, c'est tout. Mais ce soir-là, je l'ai pas fait, c'était menteuse. Non, je dis juste que tu le fais, c'est tout, mais c'est bien de le faire, faut juste assumer après, c'est tout, faut pas être en colère. Tu l'as balancé devant tout le monde. Et t'as, comme t'as dit, c'est des fantasmes, etc., faut pas avoir honte. Si j'ai... Allez, va chercher un bico. Va chercher un bico, direct. Je remette le voile, je recoupe en arabe. Je t'enterre vivante. Je vais te bouffer les doigts de pied, je vais te bouffer tout, je vais te bouffer la bouche, je vais te bouffer les cheveux, je vais te bouffer tout, je m'occupe de toi et après tu t'occupes de moi. Mais tellement j'aurais bouffé ta chatte pendant 20 minutes, je serais fatigué, mais tu vas me pomper, tu vas me réveiller et je vais me balancer tout mon foutre en derrière. T'avales ou tu t'aimes pas trop, t'avales un peu mais tu craches le reste dans l'évier. Non, moi j'avale tout dans le gosier. Bonne cochonne, bonne salope, pour ça que je t'adore. J'adore les chiennes, moi. Tout dans le gosier. Sortez vos queues de combat, les gars. À vos queues. Bon, allez. Je tombe contre des mecs qui savent jouer, mes mates sont nuls à chier. Salut, ça va, les gars? Salut, les gars. Ça passe, plate 2. Plate 2 Un peu trop bas, hein. T'as une jolie voix. Vas-y, mon sort. Vas-y, mon sort. Arrête avec ce rire, là. T'es sérieux? Arrête avec ce bide. Trou du cul. Ouais. Parle à qui, lui? C'est bizarre, lui. Tu parles à qui, toi? Tu veux être ma petite salope? Tu parles à qui? Je suis Frédéric, ça j'ai la tête. Tu n'aurais pas dans ta bouche. Voilà, ouais, reste mignon, Frédéric, t'as vu avant que je te baisse ta mère. Frédéric. Qui c'est qui me fait une branlette espagnole là? Ah, écoute-moi bien, Thierry, t'as vu si tu veux pas que je vienne te baisser ta mère chez toi, tu vas parler mieux. C'est bon? C'est bon, petit fils de pute, va. D'ailleurs, je vais venir chez toi, je vais te piner ta soeur si tu parles mal encore. Trou du cul. Pas tout de suite. Il est chelou lui. Ouh là 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 là. Ah, Thierry, t'as vu, j'ai ton adresse. Je suis sur Mario Kart. C'est ton adresse, mon poteau. Te baisant le bret. Ok. T'es un mec chaud, toi. On va c'est juste un gage. Oh, lui, on va lui retrouver son adresse. Juste un gage. Je te laisse parler, après je parlerai. Il a quoi, ce gars? On peut hacker des gens par Discord? Ah, j'aimerais bien que tu me les lèches en plus. Ah, je suis en train de me taper une bonne queue, là. Il a un souci avec ma mère. Ah. Putain, frère, ça s'entend que c'est ta souris que tu tapes en plus. C'est bête comme une chienne. Ah. Il est LPC ready, les gars. Putain, c'est bon. C'est bien, Frédéric, continue. Je suis en train de te clip. Ah, tu vas te faire ban du serve d'ici 5 minutes, chef.
Veillez-vous, putain, en posant là. Ah, putain, mais on arrive, là, putain. Tu penses qu'on a fini mid pour rien? Ah oui, mais y'en a deux collègues. Allo, allo, c'était. Ferme là, s'il te plaît, tu commences à casser les couilles. Y'a que bleu qui joue là. Ok, le last, peut-être dans notre cul, pas naïf. Non, il est stairs. Je connais. Putain, heureusement que je suis là, quoi. Faut que je fasse 3 kills et demi, quoi. C'est une chose, hein, de faire une sale game, hein, mais hein, engagez-vous, parlez dans le jeu, y'a pas de caractère. Y'a zéro caractère. Y'a rien, vous avez. Vous jouez à CS ou vous êtes en train de jouer à Minecraft, là, les gars, un peu. Allez, on y va, quoi. Les deux derniers, là, on se réveille. Deux kills, c'est lamentable. Oh, mec, hé, arrête de parler comme ça, tu fais pitié. Qui prend quoi, là? Oh, mec, j'ai même pas senteur, qu'est-ce que tu me casses? Ok, bah, tu joues à quel jeu avant? Bah, reste sur ton jeu, alors. Pas sur CS. Voilà, mais ferme ta gueule. C'est un jeu de sérieux, c'est un jeu sérieux, mec. Mais j'essaie, je vous suis. J'écoute les coups, j'essaie de suivre. Principal, désolé, vas-y, go, là. Mais... Bon après, m'engueule pas mec. Pas grave, on discussionne, on m'engueule pas mon pote. Bah bon, bah non, c'est plus pour le refaire. Hein? What? Ah t'es j'étais bien en fait toi. J'étais dans la stratosphère en fait. Quoi? Bah c'est mes parents, ils sont... Je suis fils de consul. Le clip est clippé les gars, ça va faire un clip de merde react. Ah ouais. Sur best-of. Faudrait en faire un sur chaque live, sur chaque best-of. Ah c'est lunaire la game. Quoi? Ça serait le fil rouge non? C'est pas drôle? Pour la play. Y'en a un autre qui a fait. Après, tu sais qu'on suit là et j'ai converti. Ah ah mais wesh! Full team! Bon, après, full une fois team, que t'as acheté des skins, team, des jeux. Ah, mais oui, bah. Le parfum sur la peau, c'est pas dingue. Ah, d'accord. Tu vois quoi, tu vois? Mais il le fait pas là, j'espère. D'accord. Ah, c'est... ah là là. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis. Ah! Bah, dis donc, tu perds pas de temps. Hein. Bah, c'est dur d'être célibataire. Ouais, je comprends. Mais est-ce que tu fais ça régulièrement ou... Bon, de temps en temps, ça m'arrive, mais bon. Pas tous les jours non plus. Pas tous les jours. Quand je vois une jolie femme comme toi, ça monte vite. Ouais, je comprends. Du coup, là, si jamais t'es en train de faire ce que je pense, il va falloir te maîtriser, parce que si tu viens en 30 secondes, ça va pas aller. Hein. Ah non, mais t'inquiète, hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Ah, Marine... Tu veux pas m'appeler en privé après, non? Je vais pas appeler en privé, mais... Ah, Marine, tu me fais des faits en plus. Bah, j'espère bien, je suis pas montée. C'est pour ça que je me tais un peu, que j'ai du succès à avec Aziz, parce que je les excite, parce qu'elles se sont mariées avec leur mec. Leur premier mec qui est venu, ça fait 20 ans qu'elles sont avec, elles ont deux gosses, mais j'en suis sûr qu'elles ont envie de goûter une autre queue au bout de 15 ans de mariage. Juste calme-toi quand même. Au bout de quelques années, 4, 5 ans, 7 ans, t'as envie d'aller goûter le voisin ou un mec à la salle de sport ou restaurant, t'as envie de te faire niquer dans les chiottes, t'as envie de goûter à une autre queue que ton mec, ça fait 15 ans qu'il fait la même queue dans la chatte. Mais c'est un mal. Moi, en Indonésie, tu sais combien j'ai baisé de filles? Oui, on connaît l'histoire, ouais. Ah ouais, là, toi, j'ai des boules. Oh non, mais bon, pleure pas, moi aussi, je vais pleurer. Ah, mais bon, moi, elle a eu tous les malheurs, cette femme. On lui a retiré le sein gauche, on lui a fait une... Et maintenant, elle a Alzheimer depuis 4 ans à l'EHPAD. Elle sait même plus où elle en est. Je veux me partir d'ici, il me plaît pas, c'est des cons. Ça te fait mal de voir ta maman comme ça? Mais ouais, ça me fait mal. Bien sûr. Ça te fait quoi quand elle te reconnaît pas? C'est de la ça peine? Ça me fait très mal. Quand elle m'appelle le prénom de mon neveu et que c'est moi, et elle connaît même plus mon âge, plus rien. Alors elle dit c'est pas toi, je connais pas une personne, elle me reconnaît pas. Ah ouais, je vais pleurer, je sais. Elle me reconnaît pas, son compte, son propre fils, elle connaît pas son propre enfant, elle connaît pas son propre enfant. Mais vous êtes qui vous? Vous êtes qui, elle dit? Vous êtes qui? Tu vois, un bon match, un bon rythme, une bonne chaleur. Moi, j'ai 21-2 dans ma pièce, là. Le chauffage, moi, je m'en balance. Le fioul que les Arabes puent, j'en commande. On est bien, les Arabes, les Fatima avec leurs 12 gosses. Des encules, moi, je les emmerde. La France aux Français. C'est pas à cause des Arabes que ta mère, elle te reconnaît plus, Régis. Arrête un peu. C'est à cause des Arabes. C'est à cause des... La Alzheimer. Compliqué le fric des hôpitaux, de la recherche de la santé. On en est à 7 millions d'immigrés. Arrête tes conneries. Arrête. Je vais péter un câble, là. Je vais péter un câble. Quand il y a un vieux ou un meurtre, c'est Karim Mohamed ou Mustapha qui est concerné. Arrête tes conneries. C'est pas à cause d'eux que ta mère a l'Alzheimer et qu'elle se rappelle plus de toi.
Va sucer un bico. Attention. Attention. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche. Suivez le Bistop de Riri.